Bonjour, je m'appelle Valentin Descoppets, j'ai 29 ans, j'ai grandi à Puy et je vis maintenant à Ostermundigen, à côté de Berne. Je suis traducteur et auteur. Je traduis des textes, des romans, des nouvelles ou des pièces de théâtre écrites en allemand ou en suisse-allemand. Et si je dis ça, c'est parce que je me considère d'abord comme traducteur et ensuite comme auteur. C'est à travers la traduction que j'ai un peu trouvé ma manière d'écrire. C'est grâce à la traduction que je me suis rendu compte du rythme d'un texte, de la manière de le travailler. Et sans la traduction, en fait, j'aurais jamais fini par écrire un texte moi-même. Les Déshérités, c'est mon premier roman. C'est l'histoire d'un meurtre dans un village des Alpes vaudoises. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était pas forcément d'écrire une histoire sanguinolente ou raconter un crime violent. C'était surtout un peu d'essayer de comprendre comment fonctionnait ce village, comment étaient les relations des gens, leurs motifs. Et c'est pour ça aussi que j'ai envoyé un inspecteur là-dedans qui était complètement extérieur, étranger à tout ça, pour essayer de démêler et de comprendre ces histoires de famille, ces histoires politiques villageoises, alors que lui, au final, est étranger à ce milieu.